Les amis, je ne sais pas si vous voyez ce que moi-même je suis en train de voir sur la toile. Pifo a fait une sortie pour traiter Prince Aimé de plagiat, qu'il a plagié, ou bien qu'il a volé, disons même le terme volé, la musique de c'est Génie Solo, c'est Génie Solo, et la musique de Prince Aimé actuellement, que tous les Camerounais, les Ivoiriens, tout le monde entier est en train d'attendre. Le grand featuring de Prince Aimé et Debordeaux les confins. Donc, Pifo est venu nous dire que la musique là n'appartient pas à Prince Aimé. S'il vous plaît, j'aimerais que vous écoutez, que nous écoutons ensemble Prince Aimé, parce que Prince Aimé est en train de défendre ses droits. Je ne sais pas pourquoi on veut absolument. Je ne sais pas pourquoi Pifo. Je ne sais même pas d'où Pifo sort avec l'autre là. Écoutons un peu Prince Aimé parce que là, vraiment, l'heure est grave, les amis. Jusqu'à traiter, dites ce que Prince Aimé, comme il est allé en France rentrer, comme il allait tout, c'est le karma du vol de la. Ah. Écoutez ça, je suis resté comme ça et mon cœur m'a fait un poum 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 poum. Merde, Pifo est cru. Bon, je vais vous présenter la vidéo de Pifo, mais avant ça, écoutez d'abord Prince Aimé. Écoutons attentivement, les amis. Salut Prince Aimé. Salut Gâteau. Je Voilà. voudrais déjà remercier tous les Camerounais et les Camerounaises qui m'ont toujours porté depuis 2003 que j'ai sorti mon premier album. Je voudrais remercier tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voudrais dire que je représente en moi-même le Cameroun dans sa diversité culturelle et aussi dans ce qui unit le Cameroun. Je suis né au centre, j'ai grandi au littoral et au sud-ouest. Et mes parents sont de l'Ouest. Donc, et en tant qu'artiste et musicien, j'ai été partout au Cameroun et même dans le septentrion, le Grand Nord, et partout, j'ai été toujours reçu comme chez moi. La musique, je n'ai pas usurpé la musique ou je n'ai pas juste ramassé la musique. La musique, pour moi, est un don de Dieu, un appel. Je crois que c'est le rôle que Dieu m'a donné aussi sur la terre pour apporter le bien-être auprès des âmes, pour apporter de la joie dans la société et contribuer à ma manière à la paix sociale et au bonheur de l'humanité. Et je suis reconnaissant aux Camerounais, aux Camerounaises, aux Africains, aux Ivoiriens, Et à Debordeaux, Likoufa, voilà, à aux Longuet, Ivoiriens, à mon frère Debordeaux Likoufa, à mon grand frère Simon Longuet-Longuet, à tous les grands frères qui m'ont toujours soutenu dans ce que je fais et encouragé, Dinabel Bazor, le tonton, ça ce sont des personnes qui m'ont adoubé dès mes premiers pas sur la scène musicale camerounaise. Et vraiment, je tiens à dire merci à tous ces grands frères, Papa San Fantôma, ils sont nombreux. Je mets le groupe français, entre dans le vif, parce qu'il faut pas que la vidéo soit longue. Voilà. Donc, je tiens à dire merci à toutes ces personnes. Maintenant, frères et sœurs, vous m'avez soutenu dès mon premier album. Nous avons fait un coup de maître, un coup d'essai, un coup de maître. Et à un moment donné, depuis un moment donné, je travaille sur un autre projet et je me disais, je dois revenir avec un nouveau projet. Sauf que les réactivations que mon frère Debordeaux n'a cessé de faire par rapport à la chanson Viviane que vous avez aimé tant, a fini par, la mayonnaise a fini par prendre. Et aujourd'hui, le monde entier célèbre Viviane, danse Viviane, tout le monde veut interpréter, faire le challenge de Viviane. Et l'honneur revient à l'Afrique et au Cameroun, premièrement. Donc, je suis en train de travailler avec Gâteau International, avec DJ Kessi, pour un featuring avec mon frère Debordeaux, dont nous sommes déjà en discussion, en collaboration. Voilà, maintenant, après, je vais poser la question. Si je te laisse parler, on va pas s'en sortir. Je vais être vif. Premièrement, dans ce qu'on fait ici, il y a grâce. Bon, je ne vais pas vous donner les mérites. Je voulais que tu parles. Pifo, les gens sont à travers le méchant là, sont en train de dire que ce n'est pas toi l'auteur-compositeur de Viviane, que c'est Jenny Solo. On t'écoute. Je rappelle que je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal et vrai de ce titre à succès, Viviane. Je ne veux pas trop parler, mais vous savez que lorsqu'il y a le succès, il y a toujours des hiboux et il y a toujours des confusions. Mais moi, je prends à témoin quiconque. J'ai été plusieurs fois dans des interviews où on m'a posé certaines questions pareilles et j'ai dit, je suis le seul et l'unique auteur-compositeur légal de Viviane. Bon, et maintenant, est-ce que tu connais Jenny Solo? Jenny Solo, je ne dirais pas que je le connais et je ne dirais pas que je ne le connais pas. Je ne dirais pas que je ne le connais pas parce que certainement on se rencontrait quelque part. Vous avez vu? Oui, on se rencontrait Ah, quelque part. Maintenant, je ne dirais pas que je le connais parce que nous n'avons jamais travaillé ensemble. voilà. Maintenant, malheureusement, ce monsieur me sabote partout. Donc, ce n'est pas la première Ce n'est fois. pas la première fois. Une fois, j'étais à Paris. J'ai toujours suivi une vidéo comme ça où il a fait un truc. Il a dit,
J'avais fait ma chanson Viviane. Et puis, un ami a pris ça. Il est allé sortir. J'étais scandalisé. Étant à Paris, j'ai voulu déposer une plainte. Mais mes assistants sociaux m'ont dit non. Tant que personne n'a touché à ta chanson, reste tranquille. Si quelqu'un touche à ta chanson, il ne te reconnaît pas. Comme auteur de l'œuvre, en ce moment, nous engageons tous des procédures pour le soutien. Mmh. Maintenant, j'ai également appris par certains frères d'Undé que ce monsieur également est allé un jour au festival Mendumba. Il a raconté une histoire tribale, méchante et mensongère. Comme quoi, il avait sa chanson Viviane et un Bafoussam a pris. Comme les Bafoussam ont trop l'argent, on est allé sortir la chanson et c'est comme ça que lui n'a pas pu chanter sa chanson. Le même monsieur est allé à la Sonacam. Je suis allé arriver à la Sonacam quand je faisais ma carte professionnelle. On me dit, tu connais Génie Solo? Il y a un monsieur qui est venu ici, il dit qu'il s'appelle Génie Solo. Je dis, vraiment? Et il dit quoi? Il dit que c'est lui l'auteur, compositeur, c'est machin, truc. On m'a raconté les mêmes histoires. J'ai dit, mais c'est pas possible. Le même monsieur est allé à l'école où j'ai fréquenté, à l'école des aveugles de Boya, où lui-même il est passé. Je peux dire, c'est là où je l'ai rencontré. Quand j'arrivais à cette école, moi j'étais encore tout petit, eux ils sortaient, c'est-à-dire que moi je suis entré en 1996 et c'était l'année où eux ils graduaient. Le monsieur est sorti de l'école en 1996. Moi je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Donc voilà. Il faut comprendre des choses. Je l'ai trouvé à l'école en 96, il est sorti la même année. Et moi je suis sorti en 2002 et j'ai sorti mon tout premier album en 2003. Il allait à l'école où nous sommes tous passés, dit qu'on lui donne une attestation pour justifier que c'est lui l'auteur-compositeur de Viviane. Les instituteurs m'ont appelé ici à Douala, je me suis déplacé. Pour me dire, fais attention, ce monsieur, il veut détruire ta vie. Il est venu ici nous demander de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. On lui a dit qu'il ment et que nous, on ne peut pas le faire. Je prends à témoin les instituteurs de l'école de Boya. Donc, attends, frère, attends, pas en conclusion, mais donc, je vais comprendre. Il t'a écouté chanter Viviane. Et puis, il s'est autoproclamé auteur, producteur, concepteur ou quoi. Ou alors, je ne sais pas, comment c'est ça fait pour qu'il pense dans sa tête que c'est lui qui a ça? Parce que moi, je peux dire que beaucoup m'ont plagié, mais parce qu'ils m'ont écouté faire. Vraiment, je ne peux pas rentrer dans trop de... Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que lui, il se proclame. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que lui se proclame auteur, compositeur. C'était comme l'aveugle comme toi et puis voilà, la guitare. Voilà. Parce qu'il a même dit qu'il t'a appris à faire la basse. Arrêter la guitare, à monter, c'est ce qu'il a dit. Bon, tout ça, c'est, je ne veux pas rentrer dans des polémiques. J'ai dit ce qui est essentiel ici. Voilà. Et ce que tout le monde peut vérifier. Mmh. J'ai dit, ce monsieur est allé jusqu'à l'école où je suis passé. Demander aux instituteurs de lui donner une attestation pour dire que c'est lui l'auteur-compositeur. Et c'est confirmé. Mélan Licolo m'a appelé du Canada. Il a confirmé que c'est Prince Aimé, ouais, l'auteur. Parce que c'est les gars qui ont travaillé avec toi. Non, flash. Non, écoute, mon frère Gâteau, je ne discute pas la chanson de Viviane. Ouais, ouais. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à une chanson. Je suis auteur-compositeur de plusieurs albums. Non, laissons sur Viviane. Bon, maintenant on est sur Viviane. Oui. Parce que c'est la vitrine qui, ouais, m'a permis d'être connu. Mmh. Mais par rapport à ce monsieur, je suis en train de vous dire, j'étais à Bafang l'autre jour avec Papa Sam Fantoma. Qui m'a dit, Prince Aimé, moi j'ai reçu un autre aveugle qui s'appelle Génie Solo, je l'ai aussi aidé. Je ne sais pas si tu as écouté son album, il faut aussi un peu l'écouter et voir comment on peut l'encourager. Je l'ai dit, j'ai dit, Papa Sam, je te remercie pour ce que tu fais pour les non-voyants. Tu m'as encouragé et aujourd'hui tu encourages un autre non-voyant. Mais ce gars n'est pas bien. D'accord. Et quand tu es avec lui, il faut le conseiller. D'accord. Partout, il me sabote, il me détruit. D'accord, tu as dit l'essentiel. Alors je vous ai dit, toi, celle qui dit qu'elle est manager là, cette dame là, Chelison là. Mais non, je veux parler pour Chelison, je ne sais pas qui est Chelison. Chelison. Je ne l'ai jamais rencontré. Oui. Je ne la connais pas, je ne sais pas où on se connaît. Voilà. Et c'est un homme. Donc. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mmh. Mais je voudrais déjà lui dire merci pour, sa méchanceté. Pour son acte de destruction. Parce que vraiment, quand il y a un truc comme ça, où le Cameroun et la Côte d'Ivoire doivent se retrouver sur le plateau pour honorer l'Afrique, je crois que c'est tous mes frères et sœurs qui devaient être derrière moi pour me soutenir. Mais il y en a qui, en réalité, sont en train de créer la confusion parce qu'ils recherchent des intérêts personnels ou bien parce qu'ils cherchent à détruire. Voilà, la famille, je crois que nous avons écouté ensemble Prince Aimé. Robinson Pifo, s'il te plaît, papa, allez déposer plainte contre Prince Aimé. Vraiment, j'apprécie parfois ce que tu fais. Mais ici, là, sur tous les propos, tu dis que Prince Aimé, c'est le karma, la chute de Prince Aimé, c'est le karma de tout ce qu'il a fait. Ah. Il faut souvent te retenir. Moi, je dis souvent que Franco bavarde, mais t'as pas là, vraiment, c'est grave, le gars. Bon, à bientôt, je vais mettre la vidéo de Pifo où il parle du karma de Prince Aimé. Vous allez comprendre. À tout à l'heure. Abonnez-vous, hein. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Là, c'est la page du Japon. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.